Ah, ces niches, ces creux, ces éclairs, comme elles tournent, la roue lancée pour se taire. Pas un lieu sans le ventre qui te contient, douceur énervée, cuisse, bouche, le fruit de tes entrailles est béni. Quelle idée ils avaient tout de même dans le vieux monde de placer leur cou sans y aller voir d'abord. En courbure, quelque chose leur a échappé, Copernic, et voilà pourquoi ils ont en général crevé en claqué comme des vessies mal lavées. Manque de lunettes atomiques permettant d'apprécier léger tourbillonné, splaf, paumé dans le Sahara ou au pôle, glacier, mer de sable, main crispée de l'explorateur. Oui, il est nécessaire d'avoir des nerfs d'acier, ou plutôt pas de nerfs du tout. Un geste à sa place, la sagesse aiguë des cristaux de l'eau. L'émanant devient éminent, sive canica sagacitate in venandis et perci rendis rerum omnium causis et principis. Un autre, œil ouvert, plus acide. Il y en a qui disent que ça abîme le paysage ou les sentiments, mais quelle erreur! Tout est plus vivant, varié, charnu, squelettique, tracé, moelleux, rempli et vidé, peint, gravé, coloré, sonné. Avec derrière tout ça, derrière, non, même pas, ni devant, dedans ou barrière, quoi. Eh bien, oui, disons, un sourire, le grand, l'effacé, retenu, dégagé, sourire le dernier, degré de la corne, chaîne, éclat brisé en sourire, au-delà, en deçà, en plein dans le tunnel, au cœur du bordel, rideau transparent sous le sein du bruit, sur le cri, yeux fermés, retournés, crâne en rêve, l'auréole, le hissé, souplé. Quand je les vois comme ça, plongés dans les temples, c'est-à-dire au bord des forêts, je me dis que cette putain d'humanité a quand même été visitée. Là, il n'y a pas de problème. Les voilà en train de se remonter, sans bouger, comme des ballons translucides. Gerbes éclairées, fronton mon désir, piliers, flûte, coussin somatique, et le sourire en deux doigts. Murda décerclé, lâché, le filtre, quoi, le criblé plumé. Voilà pourquoi l'autre a raison de dire que le vrai est l'orgie bachique. Pas un membre qui ne soit ivre. Mais puisque chaque membre, dès qu'il se met à part, se dissout par là même, cette orgie est aussi repos, transparent et serein. Id est déchaînement, égale tranquillité, violence sexuelle égale retrait, décentré. Permettez que j'ouvre une bouteille de champagne. J'espère que vous l'avez dans le nez. Grimpé, emmoussé, c'est l'aspect tam-tam, tambourin chauffé de la chose, et le spectacle commence. À nouveau, quand reviennent les vierges conspuées, les vieilles, enfants d'une antique passée, que jamais n'approche Dieu, homme, ni bête. Oula, voile noire! Haine noire, menacée par mes flèches blanches, mon serpent ailé. Que disent-elles? C'est toi qui dois, tout vif, fournir à ma soif une rouge offrande puisée dans tes membres. Et puis quoi encore? Non, mais à moi, Athéna, j'ai besoin de ton vote dans ma balance. Elles vont m'empêcher de jouer. Bon, ça va, c'est passé. Faut chaque fois franchir ce fossé bidon dans la gorge.
À ta sorte, tes lecteurs, suppose qu'on arrive ainsi à se dégager le ciel, quand on veut. Pour l'instant, c'est bleu. Ça vient me lécher le visage, il est 3 heures de l'après-midi. Quelle idée de se saouler en plein jour. L'air est tiède, la fenêtre ouverte. J'ai beau scruter les immeubles en face depuis des années, pas le moindre petit symptôme de vice derrière les rideaux. C'est à désespérer de cette population. Et pourtant, nous sommes dimanche. Et la fille là-bas qui se coupe les ongles des pieds et se regarde depuis 1 heure dans le miroir devrait se laisser aller, glisser sa main, quoi, profiter de l'entracte. Tiens, elle enlève sa culotte, peut-être qu'elle m'a vu, qu'elle va remuer un peu, voilà, dérobade floue de ses fesses. Plus rien, c'est fini. Misère. Je parie qu'elle va aller voir au cinéma les mystères de l'organisme, avec gros plan du moulage en plâtre d'une queue standard, ou encore carnage, viol dans la vie, l'interdit au moins de 13 ans, raison, précocité d'éjaculation. Ainsi va la ville. Mais allons, reprenons le large. On n'a pas assez remarqué que la double dimension du langage oedipien reproduit sous une forme inversée la double dimension de l'oracle. Oidos, pied enflé, oïda, je sais, en suçant son pouce, raisin de Corinthe. On dit aussi les lois aux pieds élevés, définissant au-dessous les bêtes, au-dessus les dieux, les unes et les autres, pions isolés sous l'échiquier de la police. Hors-jeu, brisure du jeu. Moralité, celui qui veut sortir sans pour autant s'acheter lunettes, canne blanche, en écoutant bien le iou, iou, quand l'animal tombe finalement, sans lui, nous ne saurions rien. Quelle vue dans le noir, vrai dépassement du devin. Bref. Il y a 2 façons d'être aveugle, l'une à l'avenir, l'autre au passé. L'hostilité à cet étranger revient à ramener l'animal à fable. Champ obscur, la voilà, de nouveau à la croisée des chemins, mangeant ses rillettes, pour ceux qui savent, je parle pour ceux qui ne parlent pas, je cache ou plutôt j'oublie. Voilà, c'est le retour en brouillard des monstres, miasma, miasme de miaïnaïn, souillé, ouverture d'un cycle avec question d'homme, fermeture de l'épicerie, nouvelle question sans jambes. Tu comprends? Une absence de sujet n'est pas une négation de sujet. Le problème est simplement de s'y déborder. Sujet, nappe inconscient, battant avant, après la ménagerie, comme si tout ça n'était pas jouissance écarlate au cœur des débris. Ou alors, va faire un tour au skizou. Quand je dis tu es père, coucher mère, s'en aller sans yeux, d'où l'on vient, faut comprendre que ça se passe sur le même corps. Main droite, main gauche. Je le répète. On finirait par oublier l'ouverture avec devinette entre cuisses. Savez-vous ce qu'il fait après avoir disparu à Colonne? Car Antigone commençait à le faire chier. Il revient sur le chemin de Thèbes, il s'aperçoit que la sphinge remonte en surface. Eh bien, une nouvelle fois, il la tue.
Mais averti par l'expérience précédente, il n'en dit rien à personne et ma foi se taille loin, très loin. Il est là, parfois, parmi vous, regard désolé d'être si mal vu, mal connu. Quelle salade! Ah, humanité, toujours empêtrée dans ses mythes. Oui, oui, c'est la vengeance de la vieille, furieuse d'avoir été déchiffrée, disant « Voilà, hein, c'est fini, enterrez une bonne fois ce cochon. Vous êtes libre, chérie. Je m'accroupis sur sa tombe, reproduisez l'impasse. Posez vos questions, respectez la barre. C'est moi, c'est la loi. Janus en sur moi. Je t'apporte l'enfant d'une nuit, d'inhumé. À quoi sert le culte, sinon à descendre dans les coins, à remplir le caveau d'humus écrasé, à perpétuer la même obscurité fécale, préhistoire de l'étron d'église? Oh, j'ai froid tout à coup. Je me demande si la notion même d'humanité n'a pas pris, plaqué, sa décharge, si l'événement n'est pas biologique, bien avant la ronde, machinée en sonde, pistonnant, crachant, bafouillant, croulant. Qu'est-ce qu'elle a à dire finalement? Toujours l'entrecouac, le sac. Regarde la tête de Séti Ier. Perfection de l'embaumement sous la 18e et 19e dynastie, brûlure renversée du masque, grand sommeil cendreux, lumineux. On dirait qu'il a été flashé en plein boom, tendu vertical. C'est la force entrée, se fléchant les siècles. La momie, c'est quand même autre chose que la photo. Non, du point de vue frisson, vise-moi ce dégagement sans reste. Quelle gueule! Quelle jouissance à pic! Midi, gueule. Claquant sur minuit, des gueules. Est-ce que tu distingues à partir de là le primitif, éternité, nuit, ténèbres, à saisir main, fils, droite, gauche, noum, toum, atoum, tefnout, choum, le soleil navigue dans sa barque. Le meilleur, c'est de se faire féconder par le paquet dur quand le phallus vient vivre sur le cadavre. Il bourgeonne encore, donne son ultime larme. Résumé du plat, et hop, en route pour la procession. En métamorphose, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Achetez nos dernières culottes mousseuses, transparentes, mesdames. Achetez nos sensations, marque sans concurrence, le voile d'Isis. Comment entrer dans le monde souterrain et sortir au jour, dans toutes les formes, jouer aux échecs, et s'asseoir dans la salle, monter en âme colibri vivante, boire l'eau du fleuve, se lancer en disque, programme complet avec planche, vignette, carte de la noix de cosmos, gratte-ciel, pyramide, ruche avec oubli du mort dans les fondations. Je crois qu'en gros, le sens de la vie leur est indifférent. Désormais, la piqûre a eu lieu. Ils ont leur cachet encore une fois. L'histoire va-t-elle arranger tout ça? Cerveau pensif, division coudée du travail. Voyons les occasions manquées depuis la troisième. Quelle surplace, quel piétinement, pourrissement du dedans. Mangeons. Manger,
Marchons, marchez, rentrons à l'école. Tiens, voilà monsieur l'aumônier. Retraite à 60 ans, bien normal. 1 000 francs par mois, ça va de soi. Comment rendre les hommes égaux devant la mort, sinon dans la vie? Repérage des portes de sortie, foire, parking, abattoir, asile, chuchotement, meuglement, vestiaire, douche, loin des cimetières, des fours. Mais alors, t'es obsédé par la mort? Non, justement. C'est pourquoi j'y renverse un peu l'audition. Il faut avouer que j'ai un penchant inné pour cette aptitude, reflet fondé naturel, qui me rend suspect, comme dit l'autre. J'ai de bons amis, qui m'aiment au moins autant que mes ennemis. Mais si je sors avec un costume neuf et qu'on me renverse un seau d'eau sale sur la tronche, ils jouissent. Ou alors, paf, si je reçois un coup de barre de fer des fascistes, hey, « Hé, mon vieux, faut avouer que tu donnes des bâtons pour te faire battre avec tes idées. » Il charrie les mémorials résidus merdeux. Je veux voir qu'un seul homme, gueule l'adjudant sur les rangs. Ah, les fortes têtes, l'hyper-individualisme, on vous matera, croyez-moi. Ou encore, quand on est coincé dans le ghetto, visite d'une camarade haut placée qui vous lance. Mais enfin, vous ne supportez personne autour de vous. Convenez que vous voulez écraser les autres. Bref, la projection obstinée, ramassée, légale. Ou encore, vous êtes complètement sous l'influence de votre femme. Impossible qu'il en soit autrement. Toute puissance du principe éternel. En résumé, on dirait qu'ils passent leur temps à se persuader les uns les autres qu'il ne peut pas y avoir sur le marché un mec hors marché, du gratuit complet à dépense. Quelqu'un pour ressentir en plein fouet l'éruption, explosion, agonie d'éveil, soleil noir. Franchement, je cherche un endroit tranquille pour m'y enfouir, de façon à ce qu'il soit dit, ni le feu céleste, ni une tempête venue de la mer n'ont mis fin à ses jours. Mais le seuil s'est ouvert devant lui, l'ombre sur lui s'est refermée. C'est au pays des beaux chevaux, étrangers, que tu es venu dans la plus chargée des campagnes, l'éblouissante cité aimée des rossignols qui modulent d'une voix limpide au cœur du ravin. Habitant du lierre noir comme le vin, sous le feuillage impénétrable, séjour, dieu des nymphes, c'est là qu'il revient, là, sous la rosée, grappe lourde dans l'éclat doré du safran, près des sources, muse aphrodite, conduisant mouillé, rêve d'or. Voici donc nos poulains, nos coursiers de la mer, légères à la main, qu'il fait bon voir la rame sur le flot bondir, plongeant, surgissant. Voilà, tu y es, ton dernier passage. Sais-tu encore ce que tu dis? N'a-t-on pas lavé ton cerveau? Ce recul, pourquoi ce tremblement? Bras, mains, jambes, qui te freinent, t'arrêtent, te ramènent à toi? Pourquoi ces oiseaux de malheur? Va m'appeler ta mère, que je te refasse. Je lis dans tes yeux la vieille et nouvelle et toujours plus vieille et nouvelle question, vieille et nouvelle émotion. Je te jure, mon frère, la fuite en Égypte, hors d'Égypte, voilà un des fonds. T'imagines pas comme le Sinaï chauffe, pieds nus dans le sable. Comme c'est aujourd'hui Yom Kippour, Kol Nidré, les troupes de Golda Meir se sont retirées, après avoir abattu ce qui pouvait l'être. 60 à 100 fédaïnes, quelques paysans libanais,
attentats, bombardements, les affaires courantes. Où en est notre révolution ? La télé présente un film sur Robespierre. À la fin, mâchoire fracassée, on le voit lire sur un mur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le destin, écrit Saint-Just, qui est l'esprit de la folie et de la sagesse. Belle déclaration romaine, coincée, connerie de l'être suprême français. Je vous le répète, l'Europe attend de vous d'être à la fois libérée du sceptre et de l'encensoir. Ici, entrée du camarade Sade, plus furieux que jamais, poussant devant lui, d'Olmancé, Madame de Saint-Ange, cette petite poilue de génie. Difficile d'ouvrir la fenêtre, divan, tapis poussiéreux, suivez l'histoire de tous les peuples, vous verrez toujours les rois étayer la religion et la religion sacrée les rois. On sait l'anecdote de l'intendant et du cuisinier. Passez-moi le poivre, je vous passerai le beurre. Flash ici, sur torrent de foutre, emporté, crémeux, la communauté vulgivague, entraînant nécessairement l'inceste. Il reste peu de choses à dire sur un prétendu délit dont la nullité est trop démontrée pour s'y appesantir. Où sont passés tous ces mois ? Prairial, Ventoux, Thermidor, Niveau, Brumaire, Vendémiaire, Floréal. En 1, 2, 3, 4, 5. Quoi, 5 ans ? Pas plus, jusqu'en juillet 94. Ah, fragilité, liberté, cassure, foulée, douce. Le bonheur est une idée usée en Europe. Je jouis de cette poussière qui me constitue et qui vous parle. Progression d'ego parano, réalité Wirklichkeit de Wirken, agir en créant, eh bien, une forme de la vie a vieilli, c'est cuit. Amenez la suivante, consente la respiration de la brise, Cham et Nassim. Je suis de plus en plus perdu, éveillé sur place. Pourquoi ai-je fait ça maintenant? Pourquoi je serai plus qu'un autre? Tout ce que j'ai pensé est nul, arriéré, forcé. Pourquoi se prendre pour le Messie? Des cacophonies, quand tout est hasard, fatigue, raclée, mal au ventre, floc. On dirait que l'enthousiasme est tombé avec le vent. Je n'entends plus rien, pas une voix, pas une ombre. Fini l'espace accordé, scandé. Voilà l'aile de la surdité, l'aile membraneuse, velours chiasse, incassable, roc planté, gris. C'est la pierre sale, solide, caucase. Et voilà tes chaînes d'association, rongeant le foie d'autrefois.
pourtant, cette musique devait massacrer la mémoire, percuter direct le tympan. Non, non, pas l'oreille, le tympan, excisé à l'air. Non, non, pas la vieille caisse, tout un cortex lucide, épluché, couleur brillée, déglacée. Maintenant, écoutez, soyez juste, repérez les morceaux, les forts, les cristaux. S'attendez vers, non, vers quoi, enfin, s'attendez, oui, ça voulait, oh, oui, ça voulait. Est-ce qu'une plainte est risquée, pute d'homme, animal raté? Il n'y a donc pas un chat là-dedans? Alors je serais seul, on aurait commencé le service funèbre. Et n'empilez pas les tentures. Qu'est-ce que c'est que ce cirque d'étoffes noires? Pelle, pioche, ronflement du feu, ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Il y a des moments, écrit le Figaro du 5 juillet 1857, où l'on doute de l'état mental de Charles Baudelaire. Il y en a où l'on n'en doute plus. C'est la plupart du temps la répétition monotone et préméditée des mêmes mots, des mêmes pensées. L'odieux y coudoie l'ignoble, le repoussant s'y allie à l'infect. Jamais on ne vit mordre ou mâcher autant de seins en si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de vermines. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Et voilà, c'est simple, art dégénéré, décadent, ça court encore les rues. Essayez le test. L'essentiel, camarades, c'est la construction du parti. Renforcez l'orga. Quoi, l'orga? L'orga, quoi? L'organisation, tiens. Ah oui, l'orga. Organique, organe, orgasme, appareil, fantaisie, pour orga. Merde, ça va pas recommencer. Profitons du desserrement, décompression, pourriture, le régime s'effrite, l'Europe a casqué, ça se déplace plutôt vers Japon, Moyen-Orient, Inde. Ici, formalisation verrouillée pour l'occidental, tétanos d'ensemble des rapports sociaux, doux sujets défoncés, hallucinés, morcelés, tour d'écrou, rongeurs en vrillés, à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités, tu parles. Mais si mon contenu, précisément, c'est l'ensemble, comment me donner l'ensemble à moitié? Imaginez le puits, le chantier. J'écris parmi les pistons creusés du boyeur, argile, four, ordinateur déréglé. Imaginez là-dedans un os en train de flipper. À quoi bon, Caillou? Dans quel intérêt? Et lui, obstiné dans sa fosse, avenir radieux, chemin tortueux, inénarrable, quoi, louche,
maboule, dingue, siphonné, givré disant « Je suis comme eux tous, j'imagine volontiers Dieu avec une queue, n'éjaculant jamais, jouissant comme une femme, les enculant tous, mobiles, tombant sur leurs deux à deux quand il veut. De toute façon, où est-il, celui qui ne dort pas de leur ventre en recommençant le théorème ? » Donc, faut bien qu'un trait invisible se déplace dans l'atmosphère à travers la trame. Faut bien quelque part un croupier pour pousser la roue, l'inquiétante étrangeté. Je vais te dire ce que c'est, simplement. Le P. Voilà un événement qui a toujours l'air de venir d'un autre monde. Fragment d'oracle écrasé. Ne pas oublier que les prêtres de Dodone s'appelaient comme par hasard les selles couchées sur le sol, écoutant le vent dans les chaînes, marquant sur leurs plombs, tablettes, des réponses agitées d'en haut. Bref, l'esprit souffle où il veut, quand il veut. Ce cher gazomètre. Mais il nous manque un espace feuillu, téménos, pour mieux l'écouter roucouler, adouci, léger, en colombe. Alors, juste après la douche, une voix sortit des nuages et dit « Voici mon fils bien-aimé. » Donc, je reprends jamais. On ne rit, ni ne pleure, ni ne pète, sans l'aveu d'un Dieu. Toujours. Le temps interminable fait aussi grandir le cachet. Sombrer le montrait. Inutile de consulter les oruspices ou les héros-pus, c'est pas dans les poulets que tu trouveras jamais ton dossier. Mieux vaut te taper une crise idiote en Muishkin, souvenir de la maison des morts. Qu'a-t-il écrit ? Voici. L'homme est un animal qui s'habitue à tout. Jugement serré, indiquant comment il se cache, collé à la cicatrice, essayant d'entendre son circuit ourler, dégradé. Pas vrai, Pan ? Tout grand coureur de rivage, danseur aigu du mondain, vas-y, vas-y, elles t'attendent, les fraîches, les jolies, les fleuries. Vas-y, Pan-Pan, donne ton pensum. Ah, la pensée, pantomime, en œil, passion de typhon, poteau brisé, arraché, fauché, quel Java. Avec les pneus Firestone, restez sur terre. Rouler plus loin. Avec Shell SD. Lisez Intimité du foyer une fois vos volets fermés. Les mordus de la moto, notre nouvelle enquête, notre jeu gastronomique, chasse aux snacks, détails sur nos dernières fusées. Je reprends. Au fond, Laios a désobéi à l'oracle qui lui interdisait de procréer. Mais comme d'autre part, il était pédé comme tout le monde et qu'il est censé s'être oublié un jour dans une femme, on voit le programme, à savoir qu'elle en a voulu précisément de celui-là, quitte à s'en débarrasser une fois né. De toute façon, ce cercle devient vicieux de quelque côté qu'on l'encercle. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, un au revoir circulaire. Quant à toi, rentre-toi la vue, la voix, les oreilles, le cul, souffle la patte, redeviens tortue, et voilà.
tu flottes. Non, ne regarde rien, plonge bien. La verità germogliera dalla terra e la giustizia si affacciera dal cielo. Pas sorcier. Il n'y a qu'à compter sur l'équilibre immanent, blanc, noir, noir, blanc. Et noir, noir, blanc, blanc. Hier, demain, après-demain, dans mes mains, pas ici, hors d'ici, le putain, le mourant et le moche. Aujourd'hui, ainsi, je suis né de qui? Je ne devais pas. Je suis uni à qui? Je ne dois pas. J'ai tué qui? Je n'aurais pas dû. Et c'est donc cela qu'on appelle un homme. Les lois nées dans le ciel siègent sur les hauteurs. Aucun mortel ne les a engendrées. Jamais l'oubli ne les endormira. Une grande force les habite qui ne vieillit pas. Je gémis. Mon cri strident monte de ma bouche. Il répétait ce cri et ne cessait de frapper sous ses paupières. Le sang de ses prunelles ruisselait sur ses joues. Non, pas un suintement de sang, mais une sombre averse de grêle, pluie de caillots, double deuil, double malheur. On reconnaît là le moment spécifique où, une fois sur 10 milliards, quelqu'un passe par le détroit. Je demande qui a pu, peut, pourra embrasser ainsi sa mère profonde à la bouche et sentir monter rayonnante la triple et une jouissance. Celle du point médian, du milieu doré, nos, nos. Vous m'avez fait naître, puis vous avez fait lever à nouveau la même semence. L'image de l'homme a des yeux, mais la lune, elle, de la lumière. Douleur d'être de ce qui ne meurt pas, et que la vie jalouse. Bon, c'est décidément le moment de redevenir dauphin. Lui, dans la profondeur de la mer, sans vagues, ému par le chant des flûtes, chant de la nature dans le vent, quand les nuages pendent au-dessus de l'émail. En ce temps-là, chaque être déclare son ton, sa fidélité, la manière dont il tient en soi-même ensemble. Seule la différence fait alors la séparation dans la nature, et donc tout est plus chant et voix pure qu'accent du besoin. Ou de l'autre côté, langue, c'est la mer sans vagues, où le poisson mobile sent le sifflement des tritons, l'écho en croissance dans les tendres plantes de l'eau. Viens, visitons un peu l'aquarium. Drap volant, chat tigre, anguille congre, étoile, très lent, rapide feuille, point bombé. Renfermés, les visiteurs sentent toujours que ce sont eux les prisonniers, déplacés. Notre malheur d'animal est d'être là. Tu vois, eux n'y sont pas une seconde. Derrière les vitres, ils sont l'irisation, la noirceur, le reflet non rentré du tour, pas d'abîme comme chez nous entre eux, et la bouffe, pas de cassure en sein d'éléments. Mais si nous sommes la négation, alors, poursuivons, entassons notre sanglante poussière. Ah, ces Grecs!
bordel, ce 5e siècle avant Jésus-Christ, ou comme disent les autres pudiquement, notre ère, je leur prends cette forme, komos, dialogue du chanter, parler, qui dit mieux pour ouvrir les comptes, pas légende des siècles, hein, mais réalité, durée, mille. Après tout, péant veut dire guérisseur, et j'ai l'impression qu'on a besoin d'une sacrée dose, pas vraiment beau, ma bizarre. Si t'aimes le tourbillon, fais-moi rond. Ce qui nous manque ici, c'est un masque, et encore un masque. Prétendre, se présenter à visage découvert, quelle folie quand du front ivre une autre raison jaillit. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu demandes ni où ni comment. On arrive, on part, on revient, et le feu tout seul se relève. Moelle filtrée, des cheveux aux pieds. Aïe, 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 tu as gardé ce halètement. L'empreinte du fleuve, miel submergé. J'aime être l'instrument bandant qui te lance. Ce n'est plus toi, ni moi, ni aucun, ni rien, quand l'éclat se fait, la séparation pressée, l'autre au centre, foyer divisé, montant. Étonnant, pas vrai, qu'on ait ce tir en nous-mêmes, dessous, en dessous les images, sous le gris savoir. Mais comment font-ils pour se balader l'air de rien? Que racontent-ils? Qu'est-ce que cette histoire d'interdit? En définitive, il y a donc le torrent à peur, cet énorme pansement de conneries. Ça va durer encore longtemps. Attention, faut pas tout confondre. Ce qui dure, ne dure. Ne va pas chercher l'ordure du temps. Voilà pourquoi l'inconscient s'en fout. Autrement dit, l'enveloppe. Allons, mettez vos scaphandres, coulez-vous, grenouilles. Ne demandez pas un roi. Oui, je le redis. Les bords du Gange ont entendu le triomphe venant de l'Indus, éveillant dans le vin les peuples de tout temps, pareil au vert des pins qu'il aime, aux lierres qu'il a choisies pour couronne, nuages couvrant la vallée béante, combats, rocs oscillants, bouillonnants, et voici, les heures se mêlent dans un ordre plus audacieux, et l'éclair des sources retombe, neige poudreuse, mouvement, devenir tuyau d'orgue, et une étrangère vient vers nous, cassant le sommeil, la voix façonneuse d'homme. Car les noms sont comme le souffle du matin, ils deviennent rêves, tombent, empoisonnent si personne n'est là pour les comprendre. Viens donc, feu. Nous avons soif d'assister au jour. Mais comment avance un fleuve? Comment creuse-t-il blanc longtemps son passage? Que désigne-t-il dragon sous son lit? Pourquoi est-il freiné comme je le suis? Et pourtant, il pousse. Taureau. Un signe lui est nécessaire qui porte soleil et lune dans son cœur, qui pense déjà l'envers des parois. Si la roche appelle l'entaille, et la terre le sillon, et l'air cette buée de bruit qui s'efface, la grappe repose sur les feuilles fauves du vin, et souvent, comme un incendie, éclate la confusion des langues,
la troisième vague encore plus violente. Donc, apprends à te dissoudre correctement. Écoute cette leçon noire, glissée, enfoncée. Capte ce que dit ta rétine. Les îles sont des prunelles où ces choses ont été écrites avec la mer comme sol, les montagnes et les volcans comme table, et autour flottaient les navires bariolés d'Ulysse à la coque rouge. Et toi, la verge et l'enclume, vulve en coin, faucille, satran marteau, le ver paraît, appelle les montagnes d'argent. L'homme n'est pas un loup, mais un coup pour l'homme. Chaudron, tertre, tumuli, fleuri, j'allais me cacher là en été. On disait qu'ils étaient enterrés debout sur leurs chevaux avec armes, vases, colliers, ex-voto. Quel concert sous les peupliers frissonnants, quel appel de gorge terreuse. On dit qu'ils restaient nus pour ne pas gêner les rayons du corps. Faut-il en croire l'Oxias avec sa cithare, Phébus l'oblique, doigt sur les cordes, de la vigne au laurier, près des géraniums, des figuiers. Oui, restons encore un peu par ici. Le désir ne se laisse pas saisir. Il flamboie tout à coup dans l'ombre avec le dessin des tribus. Ou encore, ce qui a mûri sous son front ne tombe pas sur le dos, car ses voies sont impénétrables. Ou encore, la pâle de rame et grès de lin, l'abri de bois qui tient la mer m'ont mené sans orage sous les brises. Ou encore, sur d'étanches navires à l'œil bleu foncé, vogue la chance de l'armée nocturne. Ou encore, que jamais je ne revois le flot fécondant où s'exalte et s'accroît prolifique le sang des humains. Embarque, embarque, là-bas vite, bon gré, mal gré, de force, de vive force, en route. Ou encore, quel bruissement, quelle odeur, obscurément m'approche, divine, humaine, semi-divine par des lois neuves, il gomme les anciens colosses. Ou encore, au fond de moi, la convulsion, le délire se rallume, l'aiguillon d'acier me pique, voilà le souffle de frénésie heurtant au hasard le courant hagard. Ou encore, je sais les messages dont il nous assomme en vérité. Les dieux, je les hais. Subir la haine de qui nous hait n'est pas indigne, et je suis malade si c'est l'être que de haïr ses ennemis. La haine est plus ancienne que l'amour. Que la foudre tombe donc sur moi, que l'air soit secoué du tonnerre, que la tornade ébranle les racines, que les flots de la mer embourbent les célestes parcours, qu'ils jettent mon corps au creux du Tartare dans les solides tourbillons de la fatalité. Il ne me fera pas mourir. Ou encore, qui donc, sinon quelque invisible dans sa prescience du sort, a pu si bien accorder langage et destin, et nommer cette fille de guerre et de discorde Hélène? Car elle est la haine, elle est la énième roue du carrosse de la nullité. Ou encore, aiguë à faire dresser les cheveux du fond de la demeure, du fond du sommeil, criant vengeance, le rêve prophète soudain clame l'effroi,
s'abattant avec force sur la chambre des femmes. Ou encore, oi oi, je scande les accents sur ma poitrine. On peut voir à coups pressés multiplier l'élan de ma main qui frappe de haut, de loin et sonore. Ma pauvre tête retentit de choc. Ou encore, voici le moment d'aller, le visage voilé, se cacher à pas furtifs et, assis au banc de nage rapide, de lancer ma nef sur la mer. Ou encore, toi qu'enfante, en se dépouillant la nuit d'hier-après, et qu'elle recouche dans les flammes, soleil. Soleil, je le demande, où suis-je? Qui ne suis-je pas? Ou encore, allons, et avant que le mâle se réveille, celle d'un tenon d'acier ta bouche, de pierre contient tes hurlements, pour accomplir dans la joie cet acte que tu n'as pas voulu. Ou encore, œil du jour, dors-tu lui, te voilà sur les sources, né des yeux, tu triomphes, désire, la déesse invincible se rit de tout. Vas-y, en, folks, it was a Paramount picture, Hellenic Sunbeam, Cooler by Deluxe. Tout le monde descend. Où en étais-je? Ah oui, on peut dire qu'un des problèmes de l'hystérique est d'unifier la femme sous l'idée grand homme. Ce qui fait que le bal devient vraiment très chargé. Ou était-ce à l'Eldorado? De temps en temps, on découvre une petite assassinée dans les bois, étranglée mais pas violée. C'est des manies de notaire. Qu'est-ce que tu lis? Le dernier numéro de Rhétorique. Il y a un article du camarade Trissotin, mortel, comme d'habitude. Regarde un peu cette photo des coureurs noirs en train de se gratter les couilles pendant qu'on joue l'hymne. Pâle américain. Et la découverte de l'hebdo, UGSA, URSS, Love Story. Pas mal, non? Moi, ce que j'aime, c'est les Japonais à Pékin, présentant leurs excuses pour les regrettables incidents du passé. On en mangerait. Des époques comme ça. Qui a battu qui? Qui battra quoi? Qui n'a pas fait son qui? Ou son quoi? Il y aurait comme qui dirait un plouf sous la base. Ça commence en tragédie. Ça finit en farce. Après les égorgements, vient Aristophane. Dès le IVe siècle, déclin, puis quelques siècles, puis rien. Puis encore quelques siècles, ça repart toujours. Une couche ou une autre. Par exemple, le bronze en Orient, puis le fer à charbon à cause des forêts d'Occident. Et voilà, Dagda avec sa massue, et le jeune Lug avec son javelot et sa fronde. Porte de Lanwin, monde souterrain, femme cheval venue par les steppes, jambes nues, croisées, pubis agressif, queue de poils balayant la terre. Ouh, ses cuisses nerveuses. Ouh, ce regard.
Étant donné que la négativité est le tournant dans le mouvement du concept, faut bien avouer que la plupart n'arrivent pas jusque-là. Je dirais même qu'ils ont une façon caractéristique de déraper sur les franges. Et pourtant, Dixit Hegel, souligné par Lénine, la négation de la négation est le moment le plus intérieur, le plus objectif de la vie. D'où sujet liberté et tutti quanti. Passage qui donnait des cauchemars à Staline. Idem pour les nouveaux tsars, idem pour les camarades qui entrent dans la politique pour éviter certaines questions. D'où conseil, n'oubliez pas un rétroviseur dans vos bulles conception du monde. Je résume. Qu'est-ce qui est bouleversé depuis un siècle ? 1. Le sexe. 2. L'histoire. Et 3. Quoi ? La stabilité mentale via la crise. Monnaie, biologie, glissade continentale en Asie et dire qu'on appelle ça les stupéfiants. Haha, stupéfiez-vous-même. Il paraît que Mao fume que des camels. Turkish and domestic blend. Minaret, palmier, pyramide. C'est vrai qu'il a l'air camé, défoncé, planant. Carapace ronde, lune cuivrée, reflet enfoncé dans l'eau, plouf. Allez donc chercher la dialectique à cette profondeur. Bonne chance. Retour en méduse, ondulation des parcours. Le plus court chemin d'un point à un autre n'est jamais la ligne droite. Car si t'arrives trop tôt, c'est trop tôt. Et tout de suite après, c'est trop tard. Bong. Le manque d'analyse t'envoie t'écraser en Mongolie, sanction de l'a priori. Un réviso voit pas l'unité du procès, un dogmato en comprend pas la complexité. Voilà les deux pôles qu'on voudrait nous imposer. Pile ou face, si vous y croyez ou pas, c'est comme ça. En effet, la plupart y croient tout à fait, et pas du tout à la fois. Curieuse bascule.